swallow the pain, a bit disturbed by these displays. Now we've got nothing to say, the silence growing delay. So here we are drifting apart, neither willing to drop the guard. Haven't we got something to say, the distance growing delay. Et salutations la populace, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc on est le samedi 8 mars, mais non, mais pourquoi je dis 8 mars, non, le samedi 8 juin, je suis pas réveillé, hein, parce que je m'étais un peu endormi là, donc c'est pour ça que j'ai démarré un peu plus tard que d'habitude, il est 15h36, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, Gran Turismo 7, c'est parti pour le Gran Turismo 7 de ce samedi après-midi. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage contrairement à la dernière fois. Décalage entre le son du jeu et l'image. Bon, allons-y. On est parti pour le mode sport de la semaine. Il y a trois circuits assez intéressants. Le Daytona en course A, donc c'est avec la, ouais, c'est avec la Roadster. Enfin, c'est la MX5 de course, issue de Gran Turismo 5. Interlagos au Brésil et Fuji. Fuji au Japon, putain, 24 tours il y aura. Houhou. Ok, bon. Alors, par contre, pour l'heure, donc je vois 15h37. Bon, bah, on va commencer par ça, hein.
On va commencer par ça, hein, parce que là je vois qu'on commence à 15h40. Bon, j'espère que j'aurai le temps de sortir un temps de référence. Sinon, tant pis, c'est pas grave. On se démerdera. Donc, avec la MX5 de course, issue de Gran Turismo 5. Alors, oui, Shadow, it's no use. Oui, it's no use. Oh putain. Ce let's play sur Sonic 2006, je crois qu'il t'a un peu trop lavé le cerveau. Hein. Putain, moi je fais de la merde là. Ouh là là, ok, putain. Bon, j'aurais pas le temps de sortir un temps correct. Hein. Bon, enfin, tant pis, on se démerdera pendant la course. Hein. C'est pas une voiture avec laquelle je pratique beaucoup. Putain, est-ce que j'aurai le temps même? Une pub d'au moins 1 minute. Ah putain, ah ouais. Faudra que je règle. Ah ouais, je suis désolé pour ce qui est des pubs par contre. Faudra que je règle ça à l'avenir là pour le coup. Ouais, j'aurais pas le temps, bon tant pis. J'aurais pas le temps, c'est pas grave. Alors. Ouais, bon, je commence dernier de toute façon, mais je me doutais. Bon, on va faire au mieux, hein. Alors déjà, donc ouais, salut à Droopy, Mevius, ACM8. Ah oui, moi il me faut l'argent des abonnés. Exactement. Il me faut la monnaie des abonnés. Alors attendez. Bon, je commence 12e. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Bon, j'ai désactivé les pubs pour l'instant. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus agréable à regarder. Là, je viens de les désactiver à l'instant. Bon, bah, je suis bon dernier, mais bon, ouais. Franchement, c'est pas grave. Hein. C'est que le début. En plus, là, c'est que en 3 tours. Donc, on est surtout là pour faire du contenu. Oula, 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 qu'est-ce qu'il fait, lui?
Oh putain. Je lirai vos messages après là parce que là vous envoyez beaucoup le chat. Non! Ah, je vous fais une pénalité là, je crois. Ouais, bon. Je m'y attendais. Oh là là, oh ça joue. Oh là là, ça joue sale devant. Ça joue vraiment sale devant. Ah, ça joue sale là. Pour l'instant, je suis en train de faire une très belle remontada là. J'ai commencé, je crois, bah, dernier, c'est ça. Et je pourrais potentiellement finir quatrième. Si je fais pas de bêtises à la fin. Phare escamotable de la MX-5, oui. Ça, c'est un truc qui se fait plus aujourd'hui, malheureusement. C'était surtout sur les premières MX-5. Hein. C'est un truc qui se fait plus aujourd'hui, malheureusement. C'est vrai que ça donnait un petit style sympa. Hein. Et je les rattrape hein. Alors ce n'est alors je sais pas si c'est un Palestinien mais non non je crois pas non parce que il y a beaucoup de drapeaux enfin pas beaucoup mais il y a des drapeaux qui ressemblent effectivement à celui de la Palestine
Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'Arabes, hein, qui jouent à Gran Turismo, notamment des Saoudiens. Les Saoudiens, c'est pas nouveau, hein, sur Gran Turismo, il y en a toujours beaucoup. Il y a moyen de le, il y a moyen de le dépasser, lui. Non, putain. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on fera, on fera quand même mieux, pas mieux que quatrième. Bon, quatrième, c'est très bien pour commencer. Franchement, j'ai fait une belle remontée, là, je suis content. On est passé de 12e à 4e. Ouais, c'est sans doute Émirats Arabes Unis, je pense. Ouais, position gagnée 8. Là, j'avoue que je suis plutôt fier là. Alors, un ticket 4 étoiles. Ah putain, par contre, ben ouais. Bah, parce que là, c'est que du fair play qu'on gagne. Évidemment, je gagne. Évidemment, j'en perds, c'est génial. Ou Abu Dhabi, ouais, je sais pas. Parce que oui, les drapeaux, il y a des drapeaux qui sont assez similaires. Hein. Bon, j'aurai pas le temps de faire ça. Pardon. Du coup, on enchaînera direct avec Fuji. Mais en attendant, je vais aller récupérer mon petit ticket. Oh putain, que des thunes. Ah, allez vous faire foutre, ah, c'est bon, putain. Ah, allez vous faire foutre, c'est grave. Putain, il y a des lingots, bah non, on me file 30, que 30 000, quoi, allez, c'est bon. Putain, mais quel scam, quoi. Mais quel scam, ce truc. C'est grave. Pour un 4 étoiles, non, on te file que 30 000, ah, c'est bon, allez vous faire foutre. Ah là là. Ah, cette roulette de malheur, là. C'est vraiment du scam, ce truc. Ouais, bon, j'aurais pas le... Allez. Donc on va enchaîner avec Fuji. Alors, il y a la Porsche qui ressort, il y a la 458. Et ben on va prendre la 458, allez. Je vois que Mévius, une 40, le record c'est une 37. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, donc on va prendre la Féfé. Course moyen. Ah ouais, non, mais cette roulette de malheur, c'est tellement frustrant, quoi. C'est fait exprès, oui, pour te, pour bien te, pour bien t'emmerder, quoi. Bref, bon. Là, on est au Japon, au Mont Fuji. Merde, 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 merde. Oula, oula.
Ouais, bon, une 42, c'est pas extraordinaire pour l'instant. Mais bon, c'est que le premier tour. Il tourne. Putain, ah cette partie-là de Fuji, qu'est-ce que je déteste. Oh que je suis. Oh là là, putain. Hey, je déteste cette partie-là du circuit Fuji à la fin. Avec ces putains de virages à la con. Autant les 2-3 premiers virages, ça va, mais sur la fin, quel enfer. Bon, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Oh là 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 là, mais je hais ces virages, putain! C'est pas possible! Ah, mais c'est pas vrai. Putain, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ah non, mais les virages sont vraiment, vraiment techniques, hein. Bon, je rappelle encore une fois, ce soir on fera du Smash Bros Ultimate, hein, comme tous les samedis soirs. Normalement, voilà, si tout va bien, je serai bien là.
Ouais, je crois qu'on va garder la traction à 1. Parce que à 0, je m'en sortirai pas là pour le coup. Bon, c'est déjà mieux. Bon. Une 41. On va voir ce que ça va donner. Putain, je commence 12e quoi. Ah ouais. Bon. Bah après, ça veut rien dire, hein, je veux dire. Encore une fois, on peut très bien remonter. Hein, vous avez vu tout à l'heure. Hein. J'ai commencé 11e, j'ai fini 4e. C'est sûr qu'on est avantagé en commençant devant, mais bon. Bon. Il y a 24 tours, il me semble. Donc ça va être tendu. 24 tours. Mais bon, allons-y, hein. Ok. Il où le radar météo, c'est celui-là. Bon, je m'en sers. Ouais, quoi que. C'est vrai que j'y pense pas au radar météo, mais... Allez, on y va. Donc, 24 tours. Oh, putain, dès le début. Oh là là, mais dès le début, quoi. Dès le début, c'est déjà un enfer. Regardez-moi ce carnage, quoi. Regardez-moi ce cafouillage, sérieux. Si vous voulez faire dans ces conditions. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Tu veux que je dézoome comme ça? Je peux pas faire plus, hein. Mais en collision, eh ouais, mais putain, mais s'il avançait aussi, quoi. S'il avançait, le mec, mais voilà, je prends 4 secondes, putain. Wow. Ah, 4 secondes dans la gueule, hein, mais c'est trop. Ah, c'est bon, putain. Si les mecs savaient jouer aussi. Putain. Ah, mais ça. C'est insupportable, quoi, des. Voilà. Allez, vas-y, voilà. Dégoûté. Commence bien les bêtises. Hein. Mais le pire, c'est que je les rattrape. Je les rattrape, quoi. Ah, j'ai les mains moites, par contre, c'est horrible. Fait peur lui, putain. Ah, nique ta race.
Par contre, je vois sur la carte le mec avec sa Audi R8 là. Le Croate, il a pris une avance de zinzin. Hein. Ah, lui il est tranquille. Hein. Lui, il est tranquille, putain. Là, je le vois sur la mini-carte. Putain. Tourne. Ouais, j'ai freiné un peu trop tard. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a tenté là? Qu'est-ce qu'il a voulu tenter? Moi je suis dans le top 5, ouais. Bon, le premier sera irrattrapable, hein, clairement. Mais les 4 de devant, enfin les 3 de devant, je peux faire quelque chose. Ah mais bon, ben, mais je vais prendre la pénale. Et voilà, allez, voilà, comment perdre 3 places, quoi.
Bon, on a fait pour l'instant un quart, un tiers, pardon. Allez, courage, l'endurance, la mentalité. Enfin, le mental plutôt. Je sais pas si je la referai une deuxième fois celle-là. Ça dépend. Si on a le temps. Mais je les rattrape les trois de devant. Ouais, parce que bon, le premier, lui, il est clairement irrattrapable, hein. Il est beaucoup, beaucoup trop fort, le mec. Mais les trois de devant, là. Vous avez vu, hein, pourtant j'ai commencé dans les derniers. Là, je me retrouve dans le top 5. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Il avance pas. Il avance pas, ce fils de chien! Oh là 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 là! Putain! Et voilà. Oh! Je crois qu'il va falloir passer au stand là. Après le. Ouais.
Je crois qu'après le 12e tour, je vais passer au stand Clermont. Et en plus, je prends encore une putain de pénalité. Ouais, on va passer au stand, vous savez quoi? Comme ça, au moins, ce sera fait. De toute façon, c'est un passage obligatoire, comme d'habitude. Et comme ça, on va changer les pneus. Bon, ça bougera pas, donc on va pas ravitailler. Alors je vais lire un peu vos messages en attendant. Ah putain, non, j'aurais pas. Bon, tant pis, j'aurai pas le temps. Oui bon, je les ai juste pas achetés, c'est tout, hein. Je vais pas non plus m'amuser à acheter forcément tous les pneus pour toutes les voitures, hein. Et puis bon, j'ai pas de souvenir qu'en mode sport, il y ait de la pluie, hein. Un moment qui tombe, hein. J'ai pas l'impression, hein. Et puis bon, les pneus intermédiaires, ça suffit largement, hein, parfois. Ah, tourne, putain! Ouais, comme les pneus sont neufs, j'ai un peu moins d'adhérence. C'est déjà arrivé que je fasse des courses avec la pluie qui tombe. Ouais, bah là pour l'instant, bah attends, on va voir le. Ouais, bah là pour l'instant, y a potentiellement pas de pluie, hein. Bon, de toute façon, on a fait la moitié, enfin un peu plus de la moitié, donc on va arriver, ouais, à 40 minutes sans doute, hein.
Ah oui, parce qu'il devait y avoir genre beaucoup trop de pluie, quoi. Ok. J'ai battu mon temps. Par contre, j'arrive pas à faire mieux qu'une 41. Enfin, qu'une 41 secondes. Allez. Allez, courage, on arrive dans les deux tiers là. Ah, je fais encore mieux, c'est super. Hey, putain, mais j'améliore constamment mon temps, c'est super là. Putain, je suis en train de descendre là. Putain, maintenant je suis passé à une 40 quoi. Ah, je suis bien là, vraiment je suis bien là. Franchement, si je peux rester dans le top 5, quatrième, ce serait formidable. Donc je me tais.
Non! Ah, la petite erreur. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne paniquons pas. Extraordinaire. Non, je crois que je ferai pas troisième, Melius. Je pense que je ferai quatrième. Ce sera très bien. Hein. Parce que bon, là, je suis pas non plus. Je crois que je suis pas prêt de rattraper les. Le décalage sonore est violent. C'est une blague. Mais. Non, mais c'est pas possible. J'avais le même problème l'autre fois. Mais merde! Oh là là! Et je peux rien faire, évidemment. Mais putain! Et c'est que maintenant que vous me dites qu'il y a un décalage. Putain, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'avais le même souci déjà. La semaine dernière, quoi. Quand j'avais déjà stream le jeu. J'avais déjà le même souci. Putain. Attendez, je vais essayer de régler ça après. Ah, je peux rien faire, hein. Ah, vous êtes obligé d'attendre la fin de la course, hein. Putain, mais c'est pas possible en fait. Moi, je mate essentiellement le pilotage, le son, je m'y fais. Oui, c'est sûr que bon, au moins l'image, elle est très bien. Hein. Là, y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quoi, d'avoir un décalage comme ça. Là. Ça ne fait pas, j'ai orienté mon stick sans faire exprès.
Non, parce que je veux quand même vous faire un truc carré, quoi. Putain. C'est pas possible, en fait. Parce que ça m'avait déjà fait ça la semaine dernière, justement. Ah, quoique, je rate. Ah, quoique, je suis en train de rattraper le troisième là. L'écart se réduit entre moi et le mec avec sa RCZ là. Ah, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, effectivement. Ce moins pour que tu finisses troisième, ce serait que le troisième fasse une erreur. Ouais, c'est ça. Mais là, de toute façon, là, tu le vois, là, tu peux le voir, l'écart est en train de se réduire. Je suis à quoi? Je suis à 3,7. Cette tuile au niveau du son, j'ai l'habitude, effectivement, quand tu veux faire du carré. Mais oui, putain, ça me saoule, quoi. Ah, ça doit être un, je sais pas, un souci technique, j'en sais rien. Parce que bon, le boîtier, il est tout neuf, quoi. Le boîtier que j'ai, il est tout neuf, hein. Ah oui, c'est long, 24 tours, hein. Surtout sur ce circuit, hein. Fuji, c'est un circuit qui fait quoi? Il fait combien de kilomètres déjà? Il en fait 4-5, il me semble, je sais plus. Tu me confirmeras mes vues si tu le sais éventuellement. Parce que là, j'ai pas la distance en tête, mais. Ah, c'est comme une course d'endurance, hein. Et dans une course d'endurance comme ça, il faut. Tout ce qu'il faut, c'est mental, précision, concentration. Ne pas faire la moindre erreur. Hein. Sinon, ça peut être fatal. Hein. Là, on n'est pas. Là, c'est pas Mario Kart. Hein. C'est pas Mario Kart. Hein. Non, non, non. C'est pas pareil. Hein. Il va passer au stand? Ah non. Ouais, voilà, il fait 4,5. Donc ouais, 4,5 km, 24 tours, c'est vous faites le calcul. On va arrondir, ouais. Allez, on va arrondir à 4, enfin on va arrondir à 5. Vous faites 5 fois 24, ça fait 120. Allez, disons qu'il y a 100 km, quoi, voilà. On fait 100 km, donc c'est sûr que c'est pas mal, hein. Ah mais ouais, il y a moyen de faire troisième. Hein. Là, on est au 23e tour. Il nous en reste encore un. Il y a moyen de faire troisième. Parce que le mec, là, je le rattrape, hein, avec sa Peugeot. Alors, il est en train de se planter. Il est en train de se planter. Allez, je le dépasse là maintenant. Allez. Voilà. Ah, par contre, je l'ai un peu percuté. Bon, bah je pense qu'on peut finir troisième, hein. Dernier tour, enfin.
C'est le circuit de Fuji. Ouais, c'est le circuit de Fuji. C'est celui qu'on fait actuellement. Hein. Ouais, il fait 4,5 km. Hein. Un tour, c'est 4,5 km. Donc, ouais, vous multipliez par 24. C'est sûr que c'est long. Hein. On arrive à grosso modo 100 km. Hein. Bon, bah, je pense qu'on est bon pour la troisième place. Hein. Bon, le premier il a déjà fini, putain il a pris. Il nous a mis 30 secondes d'avance le mec. Hein. Bravo. Bon, et bah c'est la troisième place. Bah c'est super. Troisième place, on prend. Je suis bien content, j'ai quand même bien joué, globalement. On fait troisième, j'avais commencé dans les dernières. Oh putain! Enfin! Enfin! On va boire un petit coup d'eau là. Ok. Alors, au sujet de MK, j'ai dit un gros mot, ça m'a pas. Oui, non, mais parfois. Ah putain, j'ai gagné 9 places, quoi, c'est fantastique. Hein. Non, mais parfois. Oui, Twitch qui bannit des termes qui n'ont pas lieu d'être. Ah, vous avez vu, ça a pris quand même plus de 40 minutes, hein, cette histoire. Hein. Bon, bah voilà. Eh bien écoutez, je propose qu'on fasse ça. Circuit d'Interlagos. Bon, comme d'habitude, je vais prendre mon alpha, je vais prendre ma petite alpha. Hein. Ah, par contre, j'ai encore oublié d'enregistrer. Bon, c'est pas grave. Allez, je propose qu'on fasse ça. Bon, on est rendu à 1h14. Ouais, non, mais Twitch, en fait, le problème de Twitch aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tellement faire un endroit de bienveillance, toujours plus Twitch friendly, mais à un moment, ça devient juste ridicule, quoi, parce qu'on peut plus, à force, on peut plus rien dire, quoi, en fait. Ça en devient juste ridicule, quoi, en fait. Donc, voilà, quoi. Je suis pas hyper fan de circuit, moi. Oui, Gogol, oui. Ça non plus, ça passe pas. Non, mais c'est bon. C'est juste n'importe quoi, en fait. Tu vois? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire, c'est abusé.
Mais je vais t'inquiète, je vais autoriser ton message, hein. Enfin, il n'y a pas de problème. À un moment. Fuck la bienveillance, quoi, je suis désolé. Parce que c'est limite de la censure, quoi, en fait. Hein. Mais bon, quand on voit les gens qui gèrent la plateforme Twitch, bon. Voilà, quoi. Ah putain, j'ai fait de la merde. Bon. C'est pas grave, j'ai le temps de faire encore un tour. Ah, parce qu'ils pensent que. En fait, ces gens pensent que qu'on vit dans un monde de bisounours, mais. Non, la réalité c'est pas ça, hein. La réalité c'est pas bisounours, hein. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je commence combien là? Ah ok, je commence dernier. Ah putain, pourtant les temps sont assez serrés. Hein. Oh, tant pis. Hein. C'est pas grave, de toute façon. Alors, il y a 5 tours, ouais, 5 tours, ça va être rapide. Par contre, si vous voulez bien, je pense qu'après cette course, je vais. Ce sera pause toilette. Enfin, je commence 14e, ouais, bon. Pas complètement dernier. Ah, mais dites-vous que de toute façon, ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Mais enfin. De toute façon, la réalité finira toujours par nous rattraper. Hein. Donc bon. Allez, c'est parti. Bon, 5 tours, ça va être rapide.
Ouah, ce carnage dès le début! Oh putain! Oh, un mec, il a pris 5 secondes de pénalité, mais quoi? Le mec avec sa GTR, au secours. Oh là là, oh là là là! Putain, mais regardez-moi ce carnage, c'était dès le début. Ah ok, ah ok, va bien niquer ta mère. Va bien niquer ta mère, fils de pute, va. Ah, fils de pute, va. Ah, c'est bon. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Vous pouvez rien faire. Vous êtes obligé de subir, voilà. Vous pouvez rien faire. Ah, vas-y, je prends une pénalité. Allez, putain. Ah, c'est bon, putain. Quel scandale, quand même. Quel scandale. C'est nous qui subissons et c'est nous qui prenons des pénalités. C'est bon. Ça va, le mec qui vient de couper comme un porc là? Alors lui va prendre une pénalité sévère. Hein. Je sais pas si vous avez vu là le mec qui a coupé sur la partie verte là à droite. Ça, tu fais ça en solo, tu fais pas ça en ligne. Espèce de guignol là. On va essayer quand même de remonter quelques-uns, mais... C'est catastrophique, hein. Vraiment, c'est catastrophique, hein. Putain. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de subir. Mais nique ta mère, toi, putain! Sale fils de pute, va. Qui c'est le mec avec sa GTR là? Oh, fils de pute là. Non mais c'est pas possible. Oh, mais regardez-moi ce guignol, c'est bon. Non mais il y a que des guignols dans cette course, hein. Mon Dieu. Oh là là. Que des guignols dans cette course, hein. Mais sortie de circuit, ben oui, mais c'est pas ma faute en fait. Oh là 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 là. On va oublier cette course de merde. C'est que des guignols dans cette course. C'est affreux. Vraiment, c'est affreux.
voilà, c'est bon. Ah, niquez vos mères, tous ce monde de fils de pute. Sans déconner, quoi, mais sans déconner. Ouais, on va oublier cette course de merde, hein, c'est bon. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans ces situations-là? Vous pouvez rien faire. Enfin, je me répète, hein, de toute façon. Bon, c'est mort, hein, dans tous les cas. Enfin, on va bien finir là, on faudra bien finir la course quand même. Et le pire, c'est que je fais pas un temps si dégueu, quoi. Dernier tour, on va essayer de limiter un peu la casse, mais c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il... Eh mais le mec avec sa GTR, mais il joue vraiment n'importe comment. Allez, casse-toi, fils de pute, va. Espagnol de mes couilles. Non mais c'est bon, l'Espagnol avec sa GTR, mais qu'il aille bien se faire enculer, ce fils de pute. Mais regardez ça! Mec, il en a plus rien à... Non mais ok, d'accord. Elle va bien baiser tes ancêtres, fils de pute. Allez, sois dernier, fils de pute de tes morts. Non mais c'est bon. Ah mais c'est quoi ces guignols quoi, n'importe quoi. Sombre merde, sombre fils de pute. Ah, qu'il aille bien se faire foutre quoi, ouais, c'est bon. Ah c'est voilà, c'est lui là. C'est ce mec là. Ah, j'ai presque envie de l'insulter quoi, c'est bon. C'est bon, voilà. Voilà. Ah, c'est bon qu'il aille se faire foutre, ce fils de pute, là.
Ah, j'en ai rien à foutre, hein. Moi je l'insulte, hein. J'en ai absolument rien à foutre. Hein. Bon, ça, on n'aura pas le temps de faire. Ouais, putain, faudra attendre 18h. Ouais, on va pas du tout attendre 18h. Hein. Bah écoutez, je propose qu'on finisse sur la course A. Bon, par contre, c'est à 17h20. Bah écoutez, ce sera l'occasion de prendre une petite pause. Hein. On va souffler un peu là parce que. Je suis. Là, je vous avoue que je suis un peu remonté là. Hein. À cause de l'autre guignol là. Enfin bref. Ah, c'est bon, des guignols pareils, c'est pas possible. Merde, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Alors, on va quitter là, ça sert à rien ce que je fais. Bon. Ce sera l'occasion, voilà, de prendre une pause. De toute façon, on va attendre qu'il soit. Ouais, c'est à 17h05. Bon, je voulais faire une pause toilette, mais finalement là ça va, c'est pas pressant. Enfin. On va attendre le début des inscriptions. De toute façon, bon, encore une fois, je vous retrouverai tout à l'heure pour du Smash Bros Ultimate. Ce stream, bien évidemment, il sera republié sur la chaîne YouTube. Hein. Bon, voilà, je pense que vous le savez maintenant. En plus, ça fait un petit moment que je n'ai pas refait de Let's Play. Parce que comme actuellement, je suis en plein Mario Galaxy et un autre jeu que j'ai commencé à côté. Donc ce serait bien que je termine les deux. Enfin d'abord, notamment celui sur Revolt que j'ai commencé en attendant d'avoir un nouveau boîtier. Bon, finalement ça s'est fait rapidement. Bref, bon, comme ces derniers jours, j'étais pas super en forme. Voilà. J'ai pas pu continuer les let's play, mais vous en faites pas. Vous en faites pas, j'essaierai de m'y remettre demain. Bon, allez. On va entrer dans la course. Il va y avoir des moments, il y aura des moments que je vais foutre en short sur YouTube, hein, avec ce stream-là. Ah oui.
Putain. Ah, j'aime pas cette voiture. Elle survire trop. Pourtant, c'est pas. Enfin, oui, pourtant, c'est moteur avant, il me semble. Mais c'est une traction arrière. C'est une avant-arrière, il me semble, la MX-5, je sais plus. C'est pas moteur central. Ouais, c'est une propulsion, mais comment dire, les roues motrices, ce sont les roues arrière. Donc c'est pour ça qu'elle survient. Oui, bien sûr, c'est une MX-5 modifiée pour la course. Hein. Ben, en fait, cette MX-5-là, c'est une MX-5 qui était. Qui est origine. Son origine, c'est Gran Turismo 5. Je me rappelle très bien. Parce que dans Gran Turismo 5, ils avaient réinstauré les modifications pour voitures de course. Sauf que les voitures, c'était très limité pour le coup, hein, contrairement aux deux premiers Gran Turismo. Il n'y avait que certaines voitures qui pouvaient bénéficier de cette modification. Et le truc, c'est que dans Gran Turismo 6, ce sont des voitures à part. Genre celle-là, c'est la version modifiée de la MX-5 de 89, quoi. C'est le cas aussi pour la Nissan Silvia, la Silvia de 2002. Oui, la hype derrière GT5, elle était incroyable. Bah, hey. Gran Turismo 4, c'était en 2004. Donc c'est sûr que Gran Turismo 5, le jeu s'est fait attendre. Hein. Le jeu s'est vraiment fait attendre. Hein. Oui, la Silvia S15, oui. Le jeu s'est réellement fait attendre, hein, c'est sûr. Hein. Eh putain, eh ouais, mais je suis sorti. Parce que bon, ok, il y a eu d'autres Gran Turismo en attendant. On a eu Gran Turismo HD, Gran Turismo 5 Prologue, Gran Turismo sur PSP. Mais voilà. Le vrai Gran Turismo 5, il s'est fait, c'est sûr qu'il s'est fait attendre. Ouais, elles sont pas si sous-cotées que ça, les Sylviens. Mais c'est vrai que depuis 2002, vu que 2002 ça a été la dernière année de cette voiture, bah voilà, depuis plus rien, quoi. C'est dommage. Ah bah oui, les Skyline GTR, hein. Des classiques, hein. Des classiques japonaises. Hein.
Ah. Même si aujourd'hui, bon, la R35, bon, c'est vrai que la R35, je pense qu'aujourd'hui, elle a fait son temps, hein, parce que cette voiture, c'est quand même 2007, hein. 2007, son année de sortie, bon, ça commence à faire long quand même, hein. Faudrait songer à une éventuelle R36, non? Hein? Un Nissan. Faudrait songer à une R36, non? Parce que bon, la R35 a quand même 17 ans hein, maintenant. Quoi, ils ont fait Nissan Juke Nismo? Sérieux? Nissan Juke. Alors, j'avoue que c'est étonnant. Parce que bon, Nissan GT-R Nismo, oui, ça c'est ok, il n'y a pas de problème, mais Nissan Juke Nismo, j'avoue que ça m'étonne. Hein. Nissan Juke, quoi, putain. Mais attends, je vais lire ton message après. Tourne. Ce serait un moteur de Mégane RS, sauf que tu as un châssis de Juke. Ah oui, c'est intéressant. Ah oh, putain. Vous savez quoi, attends. On va. Tant pis, je vais. On va. Oh, on va stopper pour. Oh. Oh putain, ouais. Je commence à fatiguer là. Vous savez quoi? On va attendre le début du match. Début du matchmaking. Parce que là, je sens que. Je sens que j'y arrive plus. Pas facile de tenir la cadence, hein, mais bon. De toute façon, on va attendre, hein, on va attendre le début. Ouf, me permettre de souffler un peu là. Alors on va attendre. De toute façon, c'est à 17h20.
va attendre sagement. Moi, j'en avais vu une la dernière fois. Attendez. T'iras voir, c'est une bonne blague cette bagnole. J'ai un pote qui l'a eu en blanc avec des rétros rouges. Ah, moi, j'en ai vu une la dernière fois quand j'étais dans mon tram. Elle a fait un tête à queue. Elle est rentrée dans une voiture. Oui, bon, à ça, malheureusement, les dangers de la route, c'est pas nouveau. Hein. Elle a fait un tête à queue car son pneu a explosé. Et apparemment, la voiture venait d'être achetée. Alors, soit le conducteur est vraiment nul, soit c'est un défaut de conception. Et ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Après, défaut de conception pour un pneu, j'avoue que ça m'étonne, hein, parce que normalement, c'est quand même, je veux dire, les contrôles sont quand même très très stricts, hein, pour ce qui est des voitures. Ah, c'est quand même la sécurité, c'est quand même les vies humaines qui sont en jeu. Et en général, très souvent, c'est la faute du conducteur, quoi. Ça sent la hernie sur le flanc à frotter les trois. Ah, c'est possible. C'est possible. Ouais. C'est tout à fait possible. Bon. Allez, ça commence dans environ 30 secondes. Voilà, on fait cette course. On fait ces dernières courses et puis on va s'arrêter. Parce que là, je vous avoue que j'en peux plus là. On en aura fait assez pour aujourd'hui. Là, cette course de 40 minutes, ça m'a. Je dirais pas que ça m'a achevé, mais. Ah, c'est pas facile de tenir la cadence. Ah bah ça va, je commence comme troisième. Bon bah c'est super. Allez. On commence quand même troisième, donc on prend. Allez, on va essayer de faire une bonne prestation pour en finir avec ce live. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour du Smash Ultimate. Moi, je vais faire une pause, je vais me reposer un peu. Et dans ces cas-là, ça me fait aussi mal pour les victimes que pour les bagnoles, suivant le modèle qui a été mis en épargne. Ah oui, non mais c'est malheureux. Je pense plus que le conducteur a maltraité sa voiture, c'est pour ça que. Ah oui. Enfin, ça dépend, vous savez. C'est pour ça qu'il y a des experts, justement, ce qu'on appelle des experts automobiles, qui justement voilà, travaillent dans l'expertise des accidents, etc. Et ils savent justement déterminer l'origine exacte de l'accident. En se basant parfois sur des petits détails. Hein. Je remercie mes 2 années à avoir fait de la mécanique, hein, en école, même si bon finalement ça ne m'aura pas attiré plus que ça, même si bon je suis toujours passionné d'automobile, hein, ça je pense que vous le voyez. Hein.
Non, 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 j'ai fait le con. Ah, j'ai freiné beaucoup trop tard, là. Putain, il y a moyen de faire quelque chose et je me rate tout seul, quoi. Merde. Ouais, je pense qu'il est temps d'arrêter parce que j'y arrive plus. Honnêtement, j'y arrive plus du tout là. Ça m'a achevé cette course de 40 minutes là. Sachant que déjà que j'étais un peu fatigué tout à l'heure, mais bon, ça n'a pas forcément aidé. Enfin, après, je m'en suis globalement bien sorti, hein. J'avais quand même fini troisième. Dernier tour. Je lirai vos messages après. Bon, je pense qu'on fera pas mieux que troisième. Ouais, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas été exceptionnel non plus. Ah, quoique. En plus, il prend une pénalité. Bon, bah, c'est bon. Nickel. On va faire deuxième, finalement. Super. On aura gagné une place. Alors attendez. Maintenant c'est qu'un. Alors certains d'entre eux classent épave un véhicule avec un phare et un capot en moins. Sinon globalement les experts en assure auto, on est content de les avoir quand on se fait éclater de nulle part sur la chaussée. Moi de toute façon en France, il y en a les chauffards, il y en a un paquet. Alors en Tunisie, je vous dis pas comment la conduite est vraiment dangereuse par exemple. Si certaines voitures là-bas, il n'y a même pas de ceinture à l'arrière. Ah oui, effectivement, ça craint. Alors, en plus, je fais une course parfaite. Bon bah, comment finir en beauté? Bon. On va s'arrêter là, parce que là, je vous avoue que je n'en peux plus. Alors, en gros, t'emmènes le fiston, tu peux le voir mourir sous tes yeux, c'est vrai, c'est nimp. Ouais, désolé, j'ai. Oui, c'est vrai que, bon. C'est vrai que tu parlais un peu trop, je trouve, hein, sans être méchant, bien sûr. Hein. Ah, je pense qu'on devait surtout se concentrer sur mes quelques courses. Bon, bref. Allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui concernant GT7.
Donc j'espère que ce stream de 2 heures vous aura plu. Encore une fois, je vous retrouve tout à l'heure pour du Smash Bros. Ultimate, donc à 21 h comme d'habitude. Merci d'être passé. Bonne fin d'après-midi le peuple. Ciao tout le monde.